J'ai commencé à jouer au golf quand j'avais 10 ans. C'est ma mère qui nous avait inscrits à des cliniques avec mon frère et ma soeur. Je pense que c'était les dimanches. Mon premier contact avec le golf, je pense pas que j'étais folle. J'étais pas folle du golf au début. Puis j'ai vraiment commencé à aimer plus le golf quand j'avais à peu près 13 ans et quand j'ai commencé à faire de la compétition. Certains de mes meilleurs souvenirs rattachés au golf, ce serait les camps d'entraînement qu'on faisait en Caroline avec l'Académie de golf à Fred. Puis ça a toujours été super le fun. Le golf, parce que c'est un sport individuel, puis faut tout le temps que tu recherches à être meilleur et puis à t'améliorer, puis il y a beaucoup d'aspects, donc ça reste toujours très intéressant. J'ai vraiment aimé de Golf Québec la camaraderie, puis de retrouver mes amis, que ça fait quelques années qu'on faisait des tournois ensemble, puis ce que j'aime d'y mettre autour, je pense que c'est l'organisation, puis le sentiment de faire partie de quelque chose de plus gros que toi. Je suis la plus fière, je pense, c'est d'avoir complété mon diplôme d'études collégiales, puis d'avoir été une étudiante athlète pendant 4 ans. Je pense que c'est mon plus grand accomplissement à ce jour. Puis je suis contente de l'avoir fait jusqu'au bout. Mon rêve relativement golf, c'est d'aller faire partie des top 10 boursières sur la